Alors bonjour à tous, alors nouvelle vidéo donc avec Sylvain pour présentation d'espèces. Aujourd'hui on présente l'hétérodon nasicus. Voilà. Donc petit serpent fouisseur quoi. Ouais, fouisseur qui est pas très grand. Voilà, alors toi dans les mains t'as une femelle et moi j'ai un mâle. Donc voilà, un peu plus petit. Beaucoup plus petit le mâle, c'est beaucoup plus petit. Un peu moins large aussi, je dirais. Ouais. Pas de grand chose, mais. Alors voilà. ça se trouve dans quel pays ça à la base? Les États-Unis. États-Unis plutôt désertique. Ouais, plus milieu désertique. Ouais, donc milieu. Ça s'adapte à tout. Ça s'adapte un peu. Ils ont une adaptation assez facilement. À tout type. Ouais, enfin, on le verra peut-être pas dans une forêt tropicale, quoi. C'est... Non, peut-être pas déconner, quoi. Non. Ça veut bien s'adapter, mais voilà, faut pas. Ça s'adapte assez facilement. Voilà. Et comme on voit niveau manipulation, ça se passe nickel. Alors toi, tu me disais que ta femelle est plus caractérielle que ton mâle. Voilà. On voit les bouches plus vives. Elle souffle, elle a soufflé quand tu étais la chercher. Bon, elle est morte aussi, des fois. Elle a voulu me croquer. Ça vit la journée, pas la nuit. Donc. C'est comme tout serpent. Ouais, ça va se réchauffer un peu. Après, ça se met dans un coin, puis c'est réveillé, ça va te croquer. Quoi. Voilà. Mais donc, c'est un serpent là, c'est des tailles adultes. Non, pas encore vraiment adulte. Pas encore vraiment adulte. Ouais, mais elle manque encore quelques centimètres. Ça fait combien, 1m20 à peu près, non, adulte? Non, plus petit, 90. Plus petit, 1m, même pas 1m. Même pas 1m, ah oui, donc voilà. Entre 80 et 1m. Ah voilà, on va montrer un peu plus le mâle de plus près. Hein. Une femelle, c'est beaucoup plus gros qu'un mâle. Un mâle fait, je crois, 60 cm. Voilà, donc on voit bien sa petite tête. Hein. Alors, caractéristique au niveau de la tête, ça fait un peu. Enfin, des cochons. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour, je pense que c'est pour bien se mettre dans le substrat. Et c'est assez. Par curiosité, c'est assez dur comme. C'est pas un mou. Oui, c'est vrai que oui, c'est beaucoup plus solide. Ouais. Ouais, c'est solide. Ça se voit et. Ah, puis c'est. À manipuler, c'est un vrai régal. Ça fait penser à un petit crotal. Un peu, ouais, c'est pour ceux qui sont fans de Venimeux, c'est le mini crotal qui fait ouais, pas mal. Ouais, c'est le mini crotal, mais il y a un peu de la salive qui est un peu. Oui, si on se fait mordre. Il n'y a pas de risque non plus. Il n'y a pas un risque immédiat de danger dans une heure. Si faut vous faites mordre une fois. Faut se laisser faire, moi je suis lié pendant un bon moment. Voilà, faut laisser son bras en os comme pour les chiens, quoi. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas sa tête de poisson, ouais, plus tête de cochon, il y a encore même cochon, pas trop, c'est. On dirait plus de la tête de Dorothée du club Dorothée, tu sais, dans les caricatures qu'il faisait avec le nez bien pointu. Voilà. Ça fait plus ça, quoi. C'est vrai qu'il dit que c'est pas fini aussi comme serpent. Peut-être, oui. Après, c'est un. Donc, ça, c'est un serpent qui peut être pris par les débutants, en fait. Ouais, voilà. Ça, c'est ça, quand même. Plus actif que le Python Régis. Oui. Je pense que. Même moi, en train de dormir, je suis peut-être plus actif que le Python Régis. Donc. Oh, ça bouge. Python Régis, si tu nous regardes. Non, mais voilà, après, c'est un petit serpent que, on voit en bourse, mais qu'on commence à voir de plus en plus. On commence à voir de plus en plus. Des gens, ils sont intéressés. Bah, il y a notamment Céline Bosmélicasus qui est devenu intéressé avec son petit spécimen, hein, son petit truc, qui est une femelle d'ailleurs. Mmh. Et donc, c'est vrai que oui, c'est un serpent qui a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place. Non. Qui demande aussi les mêmes besoins que le Python Régis, hein, quasiment, même comme pas, tous les serpents. Même pas plus qu'une gutte, comme une gutte. Oui, un peu plus, voilà, plus comme une gutte, plus on va dire. Une gutte. Mais un peu plus fus, c'est plus. Mais ça demande pas non plus un matériel qui te coûte plus de 1000 euros, quoi. Non. L'animal coûte pas non plus ce prix-là, hein. C'est, non, ça tourne après, c'est pour la mutation. C'est pour la mutation, oui, mais après, pour du classique, ça tourne après quel âge? Enfin, quel prix? Moi, j'en ai vu à 80. Voilà, 80, c'est un petit peu plus cher qu'un Python Régis classique, mais au moins, vous avez un peu plus de vie. Après, c'est un serpent qui reste petit. C'est vrai que quand par exemple les ados sont chez eux avec les parents, les parents sont pas chauds pour avoir un serpent, on leur montre un Python Régis, des fois bon ils se disent ouais c'est gros machin, ouais le truc il bouge pas. Donc ça les parents ils se disent ouais c'est bon ça bouge pas, ça passe. Tandis que là ça reste petit, certes ça bouge un peu, ça reste petit, mais si on sécurise bien son terrarium, il n'y a pas de raison qu'il y ait des évasions ou que voilà quoi. Donc ça c'est une belle espèce, vraiment vraiment sympa. Alors moi c'est une espèce qui m'avait intéressé il y a. Quelques mois de ça, on va dire peut-être 6 mois. Mmh. Mais bon, j'ai beau habiter chez moi, quand tes proches te disent oui, si t'achètes un serpent, on vient plus, ça me bloque un petit peu. Donc voilà. Mais c'est un serpent qui m'intéressait aussi. Le python m'a jamais intéressé, bizarrement. Moi, j'ai toujours intéressé le python royal, mais parce que je trouve que c'est un beau serpent, que ce soit classique ou. Il y a un panel de couleurs, mais après, on le voit tellement sur les bourses que maintenant on a un peu. C'est la course lassé. À la mutation, donc. Je suis lassé, moi, je suis un peu lassé. Beaucoup d'éleveurs. Il y en a qui font du python, qui restent dans le python parce que c'est un peu là où ils se font connaître, mais il y a ceux qui se font pas connaître forcément dans le python. Mmh. Ils ont plus envie de se tourner vers des espèces qu'on trouve pas forcément. Parce qu'il y a des espèces qu'on connaît pas forcément. Qui sont assez simples pour les. Qui sont assez simples.
qui sont, il y a pas d'espèces qui ont une législation simple. On se rend la tâche facile avec des installations haut de gamme. On va pas prendre non plus. On peut les mettre dans les racks, les racks Terra, mais voilà, c'est après faut savoir se mettre dans les bonnes conditions pour que l'animal aille bien. Donc ça mange principalement des souris à taille adulte. Tu peux passer à la sauteuse une fois adulte et je crois que tu n'as pas plus haut. Une souris adulte. Voilà, donc ça fait pas non plus des très grosses proies à acheter. Non, que de la souris adulte. Voilà, ça mange du rat, du petit raton. Ça mange quoi, une fois par mois après adulte? Une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Moi j'en donne à manger tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours par mois. Sauf là, j'en donne toutes les semaines, mais autrement une fois adulte. Voilà, donc niveau budget en termes d'alimentation, c'est quasiment rien quoi. Vous achetez un paquet de souris en bourse reptile, ça vous durera l'année quoi, limite. S'il y en a une centaine, ça durera l'année voire plus quoi. On va dire deux fois la. Voilà. Deux fois la. Ça dépend de la fréquence qu'on nourrit. Voilà. Donc après c'est vraiment. Alors toi tu vas en faire de la repro de ce serpent là. Voilà. On espère qu'elle. Donc là c'est des mutations classiques, c'est ça? Ouais, du classique, maintenant hétéroaminos, on verra à la repro. Ah, il y a des gènes hétérozygotes dessus. Ouais normalement. Donc, normalement. Après la reproduction, c'est la surprise. Donc on verra bien quoi. Voilà. Donc on a d'autres petites choses à dire sur ce serpent là ou quoi? Non, bon, c'est moi. Il y a une difformité sexuelle au niveau des. Ou du cloaque. Ou du cloaque. Qui est la femelle plus large que le mâle, logiquement. Ça ne se voit pas forcément. Oui, ça. Ah oui, exact. Alors, on va montrer un peu plus sur la caméra. Voilà, c'est la queue. Elle est un peu plus grosse, la femelle. Ouais, la femelle est plus grosse, mais c'est dans l'idée, quoi. Voilà. Hop, là, monsieur, hop. Donc, ouais, après, c'est. Voilà, c'est un bon petit serpent. On le voit en bourse, mais. Voilà, les gens s'y intéressent pas plus que ça, parce que peut-être la forme du nez qui ne plaît pas aussi. Non, mais il y a des années où ça intéressait beaucoup de monde. Oui, c'est perdu. Il y a des sortes de modes en fait. Donc voilà, donc là c'était une petite présentation de l'hétérodon nasicus. Donc on va faire quelques autres présentations et puis à plus tard. Salut.